Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un test sur Nightmare Creature 2 sur PlayStation 1, un jeu édité par Konami. Et puis c'est un action-horreur sorti en 99-2000, je crois. Et puis commençons immédiatement. New game, no game, thérapie, ça je donne, je sais pas c'est quoi, et les options, voyons, change contrôle, la difficulté, nous allons mettre ça à 5C, la vibration on, violence, level, on va laisser ça comme ça. Bon, commençons directement la partie, et voilà. It was during the cursed year of 1934 that Crowley, the mad sorcerer, returned. Risen from the dead, he was determined to plunge the world into a new age of darkness. The Circle, that secret society I was a member of before being tortured by Crowley, was under siege. Hordes of infernal denizens, unleashed by Crowley to destroy his adversaries. Rachel, my ally who supported me throughout my madness, was in danger. I had stayed too long in my cell, my lair, tormented by inner demons. But I could lament no longer. She needed me. My nightmare was just about to begin. Et voilà, nous allons commencer. Nous, on incarne ce malade qui est hanté par les démons. Et puis, ça va être notre personnage du jeu. Et puis, et comme je vous dis, c'est un action horreur. Et puis, commençons immédiatement. Et voilà. Donc, notre arme principale, c'est une hache. Pour commencer, défonçons cette porte. Oh putain. Et voilà. Oh putain, ça commence bien. On va quitter ce connard. Allez. Allez, enfoiré. Et voilà, notre bonhomme se met en position de combat. En haut à droite, nous voyons l'énergie du monstre. Et toi, connard, regardez ce sang. Oh putain, il maniquait. Regardez le sang envolé à travers les murs. C'est assez sanglant. Oh putain. Et voilà, en haut, c'est marqué fatalité. Et voilà. J'ai bien dit, je coupais la tête, je le décapite. Ça fait ça quand que ça le marque en haut à droite. C'est merveilleux comme système. J'adore ce système. Bon, continuons immédiatement. Il y a une partie. Oh putain. C'est une chambre avec un item, je sais pas qu'est-ce que ça sert, on va voir ça plus tard. Et voilà, continuons. C'est très sombre. Putain! Et voilà. Les chaises, ils se brisent. Oh putain! Prends ça, toi, connasse! Oh, putain! Allez! Et voilà! Oh, putain!
chaque monstre a son fatalité, je crois. Et puis, continuons. Bordel, qu'est-ce que c'est ça? Bon, passons par ici. C'est très sombre, les amis. J'en y vois que dalle, moi-même. Putain de merde. Nous avons une clé ici. Et voilà. Je crois que c'est par là. Je vois que dalle. Putain de merde. Et voilà. Nous avons de l'eau ici. Oh, putain, c'est comme Tomb Raider, mais le contrôle est 10 fois mieux. Et voilà. Je crois que ça tient. Oh, putain. D'accord. Je crois que c'est par là-bas. Je vois absolument rien. Oh putain de merde! Allez, connard! Allez! Putain d'enfoiré! Ça y est, il va me faire pogner les nerfs. Putain de merde! Je ne vois plus rien, je sais même pas où ce que je suis. Bordel de merde! Je suis revenu au point de départ. Bordel de merde. Putain de merde. Bon, j'ai trouvé. Par là, je crois. Oh putain! J'ai vraiment de la misère avec le contrôle de ce jeu, bordel de merde! Respirons. Putain! Bon! Je crois que je suis encore au début. Putain de con. Retournons dans le haut, bordel de merde. Et voilà. Je sais pas si c'est par là. Et non, je suis retourné au début, putain d'enfoiré de con, de merde. Et puis, je vous dis que ça va être la fin de cette première partie, parce que je vais faire une deuxième partie. Et puis, je vous dis merci à tous, et à la prochaine!